Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 5 mai 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs hétérodoxes. Et dans cette série, nous avons la chance d'accueillir un journaliste indépendant, ils sont trop rares. Bonjour à Grégoire Lalieu. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous accueillir sur le Front Médiatique, c'est un grand plaisir. Ensemble, on va parler d'un ouvrage qui a maintenant quelques années, mais que totalement d'actualité et qui a pour titre « Jihad Made in USA ». C'est un livre que vous avez réalisé avec Mohamed Hassan, qui est un diplomate d'origine éthiopienne et qui donc a une énorme culture sur le Moyen-Orient. Et donc, le sous-titre de ce livre « Jihad Made in USA », c'est « Où, comment les États-Unis utilisent l'islamisme pour remodeler le Moyen-Orient ». Voilà, donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. Un livre qui permet de mieux comprendre des enjeux actuels, malgré qu'il ait quelques années, parce qu'il parle aussi d'histoire. Et après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, pourquoi réapparaît-il toujours plus fort? Voilà, on se pose des questions aujourd'hui sur l'ingérence et les intérêts de certaines puissances, et en particulier aujourd'hui des États-Unis derrière l'islamisme. Vous vous rappelez par exemple dans cet excellent livre une citation de l'ancien ministre US des Affaires étrangères qui s'appelle James Baker, qui disait « Nous ne devons combattre les intégristes que dans la mesure de nos intérêts ». À quelles conséquences donc pour l'Europe? N'est-il pas urgent d'ouvrir un débat aujourd'hui? Oui ou non, les États-Unis ont-ils joué un rôle et ont-ils joué avec le feu? Devons-nous continuer à leur obéir ou devons-nous construire une souveraineté française ou une souveraineté européenne? Et donc, après la stratégie du chaos que vous aviez réalisée déjà avec Mohamed Hassan, vous avez écrit une ou deux années plus tard ce livre, donc Jihad Made in USA, suite aux déboires des printemps égyptiens et aussi au concept fourre-tout de l'islamisme qui aujourd'hui permet de justifier de nombreuses guerres impérialistes d'Occident. Voilà, donc vous êtes journaliste indépendant chez le collectif Investigation qui est l'éditeur de ce livre depuis 2009. Et donc on a déjà eu la chance d'accueillir Michel Collomb, qui est le fondateur de cet excellent média indépendant belge. Et donc, on a déjà réalisé une série d'entretiens avec différents auteurs de la maison d'édition Investigation. On a eu la chance d'accueillir Jacques Powels, évidemment Michel Collomb, mais aussi Johan Van Becke. Et aujourd'hui, donc, on a la chance de vous accueillir Grégoire Lalieu pour parler de cet ouvrage « Jihad Made in USA ». Voilà, donc juste avant de rentrer dans le vif de cet échange, est-ce que Grégoire Lalieu, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, pour la communauté, pour savoir quel est votre parcours, quelle est votre formation, et aussi rappeler l'importance des médias indépendants et des journalistes indépendants comme vous?